Chers frères et sœurs, dans l'amour du Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous bénissons le Seigneur lui-même qui a accordé nos chances à soyez nous capables dans la présence de lui pour nous venir adorer et tendre la parole et par la bouche de notre pasteur Mallory Laurent. Alors nous invitons vous capables de disposer le cœur pour nous adorer le Seigneur ensemble et ensuite rester connecté dans l'enseignement de la parole de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne s'effleurit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Parole du Seigneur. Seigneur éternel, le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde, nous implorons, nous donnons merci. Merci pour faveur, merci pour fidélité. Merci Seigneur pour bienveillance. Merci bon Dieu, parce que vous permettez nous passer une agréable journée. Combien de nous qui t'a vaqué dans l'activité, nous ne pouvons pas te laisser nous tout seul. Vous faites nous grâce et à soya nous capables dans la présence pour nous adorer et étudier la parole. Voilà pourquoi lorsqu'on renvoyait la foule là, où j'étais regard sur les disciples, on dit nous-mêmes. Qui ça n'a fait là? Pour qui ça nous parle? Pierre prend la parole pour lui dire, maître, tu sais en toi qu'il y a la parole de vie, à qui irons-nous? Oh Seigneur, à travers la parole qui sortit dans la bouche, Pierre, nous finissons par comprendre, nous voulons détacher nous de la grande foule pour nous rester dans pied, pour nous tendre la parole. Pour nous écouter enseignement. Parce que c'est enseignement qui a fait nous grandir. Les mauvais vents, yo, les mauvaises doctrines, ils t'apparaissent sous la route. Ils ne peuvent pas capoter nous aller. Parce que nous avons une parole en main. Seigneur, que chaque monde assoie qui est dans la présence. Qui vient écouter ainsi par l'Éternel, qui vient prendre des formations bibliques, qui est utile pour nous, pour la vie. Seigneur, nous demandons, on va ouvrir entendement. Fais-nous grâce, tout puissant. Nous demandons, Seigneur, on va habiter dans la vie. Nous ne parlons comme assistants, mais nous parlons comme dirigeants. Prends contrôle les chants, prends contrôle les musiciens. Et on va ouvrir entendement chaque monde qui suit de loin et de près. On va remplir par l'esprit. Et on va édifier au nom du sang versé de Jésus. Et que chaque monde qui est bel et bien disposé à soyer pour tendre la parole. Aidez-nous, Seigneur. Ouvrir entendement nous. Seigneur, ouvrir esprit, intelligence nous. Au nom du sang versé de Jésus. Comme ça. Nous va serrer parole dans cœur nous pour ne pas pécher contre nous-mêmes. Nous t'en prions Père qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Levez-moi dit merci Seigneur. Levez-moi dit merci Seigneur. Levez-moi dit merci Seigneur. Pas gain tant que Seigneur. Pas chambre gain tant que Seigneur. Pap Jam get en cours, Seigneur. Levez-moi, dit, vous méritez gloire, Seigneur. Vous méritez exaltation, Seigneur.
Hallelujah. 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 À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit toute la gloire. J'étais égaré à cause de mes péchés, mais Jésus-Christ m'a sauvé. Il m'a pardonné, oh, il m'a libéré. C'est pourquoi je veux le louer. Tout Jésus, je t'aime parce que tu m'as sauvé. Tu as pris mes peines en ta humilié. Sur la croix, gloire à ton Saint-Nom béni. J'étais égaré à cause de mes péchés, mais Jésus-Christ m'a sauvé. Il m'a pardonné, oh, il m'a libéré. C'est pourquoi je veux le louer. Jésus, je t'aime parce que tu m'as sauvé. Tu as mis mes peines en ta grandissant, la peur et puis l'ennui. Oui, j'avais eu peur de la vie. Mais tu es venu et tu as tout changé. C'est pourquoi je veux te chanter. Tout Jésus, je t'aime parce que voilà.
t'aime. Parce que tu m'as sauvé, tu as pris mes peines en ta la croix, gloire à ton Seigneur béni. Parce que tu m'as sauvé, tu as pris mes peines, on t'a humilié, et pour moi sur la croix, gloire à ton Saint-Nom béni. Seigneur, nous bénissons, nous implorons. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, nous exaltons. Seigneur, nous te remercions parce qu'on sauve nous. Seigneur, merci parce qu'on est petit tout. L'ente égaré dans le péché. L'ente égaré loin au long. L'ente pas qu'on est au nom. L'ente perdu, Seigneur, vrai chemin. L'ente perdu, faveur là. Seigneur, alléluia. L'aime t'es perdu tout privilège là. Oh alléluia. L'aime t'es loin hein. C'est où t'es allé ramasser nous. C'est où t'es réparé nous. C'est où t'es fait une grâce. C'est où t'es allé chercher nous bien loin. Où t'es prendre tout dégradé dans le garage ou réparer non. Où mettez prise sous nous frapper mon la prière. Où t'es prendre tout dégradé père dans le garage ou réparer non. Où mettez prise sous moi. Alléluia. Amen. Seigneur nous prouvez à soi. Seigneur, nous voulons prouver à soi comment nous remercions. Seigneur, nous voulons prouver à soi. Amen. Comment, amen, amen. Comment nous remercions. Parce que c'est où tu es sauvé nous. L'aime t'es perdu. L'aime t'es garé. L'aime t'es enfouraillé. Dans le péché. C'est où tu as cherché nous. Seigneur, nous honorons. Alléluia. Seigneur, nous remercions parce qu'on sauve nous. Nous remercions parce qu'on choisit nous. Nous remercions, Seigneur, parce que, alléluia, c'est celle-là-même qui n'est qu'à tolérer nous. C'est celle-là-même qui n'est qu'à choisir nous. C'est celle-là-même qui n'est qu'à prendre janvier. C'est celle-là-même, bon Dieu. Amen. C'est celle-là-même, oui. C'est celle-là-même qui n'est qu'à prendre éternier. C'est celle-là-même qui n'est qu'à restaurer. C'est celle-là-même qui n'est qu'à trousser mes à chercher. Dans la dans Malabou, côté de Téa, frappez-moi, dis Seigneur, m'remer, Seigneur, m'remer, Yahweh, m'remer, Elohim, m'remer, El Shaddai, m'remer, d'où Jésus, je t'aime, parce que tu m'as sauvé, alléluia, tu as pris mes peines, on t'a humilié à cause de moi, on t'a humilié à cause de ton peuple, on t'a humilié, amen, amen, yo t'ai humilié, méprisé, amen, humilié, resté, tant que yon mouton, yon mené l'abattoir, amen, amen, ou t'es accepté pour tout pour moi, ou pensez à eux, c'est le premier monde qui resté, non, oh alléluia, c'est le premier monde qui de l'âge li atteint, oh alléluia, que l'école qui va accepter, que l'école qui va accepter, pour un petit monde, non, qui dégage, à l'âge de 10 ans, à l'âge de 5 ans, à l'âge de 7 ans, mais alors que, alléluia, dans l'école où on pas fait exception de personne, on prend tout le monde, on prend tout le monde pour former, on prend tout le monde pour restaurer, on prend tout le monde, alléluia, on fait appel à qui, à soi, pour autant
là, pour y demeurer dans l'enseignement. Seigneur, merci parce qu'on choisit. Là. Jouk nous même tout, alléluia. Nous avons une Bible dans nos mains. Jouk nous même tout, nous sommes là. Jouk nous même tout, nous chantons toujours. Jouk nous même tout, nous attendons l'enseignement. Jouk nous même tout, même Jean-Pierre te prend la parole pour dire maître, à qui il want to. Tu sais en toi qui a la parole de vie. Seigneur, sois oh alléluia, nous confesser. Oh alléluia. Parole qui sort dans la bouche, c'est parole de vie. Parole qui sort dans la bouche, c'est parole de vie. Parole qui sort en dedans, c'est parole de vie. C'est parole qui bat la paix. C'est parole, alléluia, qui bat la joie. C'est parole qui bat espérance. Parole qui sort dans la bouche, c'est parole, oh alléluia, qui fait mon grandir. Oh Seigneur, c'est ça même oui, c'est ça même Pierre. T'es constaté, qui veut dire maître, tu sais en toi qui a la parole de vie, à qui il vaut. Tout de suite, me comprendre. Lorsque, alléluia, c'est vite à où la tête vous dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Le secret de la réussite, c'est de pratiquer la parole de Dieu. Yahweh, merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour infini. Merci pour ton amour insondable. Ton amour incommensurable. Seigneur, merci pour l'amour. Seigneur, merci pour grâce. Merci pour autorité. Ou établi dans mes temps. Merci pour grâce qu'on fait. Merci pour nous restaurer. Merci pour nous ouvrir entendre à soi. Pour entendre la parole. Pour étudier la parole. Vous intéressé à la parole. Vous soif la parole. Merci Père. Nous t'élevons. Nous t'exaltons. Nous te louons, Père. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance. Oh, tu es digne, tu es digne. Tu en es digne. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Qu'il en soit ainsi. Amen. Frappez-moi pour Seigneur. Frappez-moi pour Seigneur. Alléluia. 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 I brought you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. I make room for two. You and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Oh yeah, oh yeah. You are all that matters. Oh yeah. You are all that matters. Oh, yeah, oh, yeah. You are all that matters. Oh, yeah, oh, yeah. I put you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. I make you want you. You and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. I'll put you in front of my melody. You are all that matters. You are all.
t'adorer de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. I will put in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. I make room from you. You and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. I put you in front of my melody. You are all. Yeah.
de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Oh, je veux t'adorer. T'adorer de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Oh, je veux t'adorer. T'adorer de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Oh, je veux te louer. Te louer de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Oh, je veux t'exalter. Adorer de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. I put to him for, hey, in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. Oh, I make room for two, yeah, you and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Oh, je veux t'adorer, t'adorer de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Oh, je veux t'adorer, t'adorer de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Oh, je veux t'exalter. Adorer de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Oh, ouais, oh, ouais. Tu es tout ce qui compte. Oh, ouais, oh, ouais. Tu es tout ce qui compte. Oh, my melody, you are all that matters. You are all that matters. I make room for two, you and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Yahweh suffit pour moi. Yahweh suffit pour moi. Où c'est une bagaille pour moi. Où c'est une bagaille pour moi. Yahweh suffit pour moi. Yahweh suffit pour moi. Où c'est une bagaille 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 pour moi. Jésus suffit pour moi. Jésus suffit pour moi. Oh, 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 oh. You are all that matters. Oh, you are all that matters. Oh.
qui a frappé maintenant. Quand si Jésus suffit, Yahweh suffit pour moi. Yahweh suffit pour moi. Frappez mon levé campé. Dis Seigneur, parole suffit pour moi. Parole suffit pour moi. Yahweh suffit pour moi. Présence suffit pour moi. Alléluia. Amen. Amen. Présence suffit pour moi. C'est ma démon qui soit à soi. Yo soif la parole. Yo soif enseignement. Yo soif yo révélation. Yo soif yo réma. Yahweh à soi, mon Dieu. Amen. Automatiquement, nous joignons, nous réalisons. Ou suffit pour nous frapper mon prière. Frappez-moi la prière. Yahweh suffit pour moi. Yahweh suffit pour moi. Alléluia. N'a pas adoré parce qu'on suffit pour nous. Alléluia. M'a mettre en premier dans vie moi parce qu'on suffit pour moi. M'a mettre parole en premier dans vie moi parce qu'on suffit pour moi. M'a mettre parole en premier dans vie moi parce qu'on suffit pour moi. M'a prioriser parole dans cœur moi. Parce que vous suffit pour moi, alléluia. Yahweh suffit pour moi. Yahweh suffit pour moi. Moi c'est pauvre, l'argent t'a cherché. Yon bagaille pour satisfaire. Tout ça t'a rassemblé. Pas devant rien. Les réaliser. Amen. Automatiquement, moi connecté dans la parole. Automatiquement, moi rentré dans la parole. Automatiquement, moi joué une relation qui sortit dans la bouche. Automatiquement, moi, alléluia. Chita dans l'enseignement pour me donner parole, me réaliser, ou suffit pour moi, frappez mon Dieu Yahweh, ou suffit pour moi, parole, suffit pour moi, enseignement, yo, alléluia, grand mot, yo, cap sauté dans bouche, alléluia, depuis que je joue, yo, yo, suffit pour moi, moi, je voulais adorer, adorer, avec tout cœur, moi, parce que, ou suffit pour moi, ou c'est toute bagaille pour moi, la paix, la joie, la vie, alléluia, Seigneur, ou suivez pour moi, alléluia, l'aime sorti triste, c'est l'aime chercher, l'aime sorti m'accablé, c'est l'aime relé, l'aime sorti pas capable, alléluia, moi ouvrir parole, alléluia, moi tendre parole, alléluia, tristesse, yo, allez, chagrin, yo, allez, tout matio, allez, à cause, moi téméré de la parole. Frappez-moi, dit Seigneur. Moi prends engagement pour me tendre parole. Moi prends engagement pour me rester la caillou. Moi prends engagement pour mon pays. Oh, alléluia. Pour me soumettre avec parole. Moi prends engagement à soi, mon Dieu. Alléluia. Non seulement pour m'étudier parole, mais pour mettre en pratique. Yahweh, merci. Yahweh merci. Yahweh merci. Yahweh merci. I put you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. I make room for you, you and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. I put you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. I make room for you, you and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Oh, hey, oh hey. You are all that matters. Oh, hey, oh hey. You are. Front of my melody, you are all that matters. You are all that matters.
I may look for you, you and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Oh, eh, oh. You are all that matters. Oh, eh, oh, eh. You are all that matters. Oh. C'est mes mots
Dieu pour nous aimer, s'il te plaît, river dans tout ça n'a fait. Parole bon Dieu pour nous aimer, c'est Bible pour nous pratiquer. C'est mes bon Dieu pour nous aimer, s'il te plaît, river dans tout ça n'a fait. Parole bon Dieu pour nous aimer. C'est Bible là pour pratiquer. C'est même mon Dieu pour qu'aimer. S'il te plaît, rivé dans tout ça, n'a fait. Frappez-nous, mon Seigneur, frappez-nous. Frappez-nous, mon Dieu. Jésus, on dit merci Seigneur. Merci Seigneur. On nous chante bien vivant, au séculaire, frappé pour moi. On va le camper pour chanter cantique ça à la gloire de Dieu. Sur le calvaire, je viens à toi. On va le camper pour nous chanter bien vivant. Séculaire, frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi. C'est le numéro 299 français. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. 299 français. On va le chanter vivant. Walk séculaire, frappez pour moi sur le calvaire. Je viens à toi, ô mon sauveur, tu vois mes luttes et ma douleur. Walk séculaire, frappez pour moi sur le calvaire. Frappez pour moi sur le calvaire. Oh purifie, purifie, lave Seigneur et sanctifie mon pauvre cœur. Et bon sang, oh séculaire, oh séculaire, frappez pour moi sur le calvaire. Je viens à toi, walk séculaire, frappez pour moi sur le calvaire. Je viens dans la détresse, dans la douleur. Sois mon berger, ma forteresse et ma douceur de chaque jour. Mon cœur demeure ensemble. Walk séculaire, walk séculaire. Frappez-moi sur le calvaire. Je viens à toi, walk séculaire. Frappez-moi sur le calvaire. Je viens à toi, walk séculaire. Frappez-moi, walk séculaire. Frappez-moi dans la détresse, dans la détresse. Sois mon berger, de chaque jour, mon cœur demeure en ton amour séculaire. Walk séculaire, frappez-moi sur le calvaire. Je viens à toi, walk séculaire, frappez-moi. Dieu béni, nous saluons chaque monde qui branche dans Facebook, YouTube. Bon Dieu, fort grâce pour même qui là. Nous bon titan ça, gantan partage le service là rapide à quelques monde à la gloire de Dieu. Fais ça rapide là. Pour même qui là, allez sur page YouTube Salvation, Facebook Salvation et puis gantan partage le service à la gloire de Dieu. Fais ça rapide.
pour plus monde capable bénir Dieu monter vivre dans étude biblique à la gloire de Dieu. Il est important pour mon chita dans la parole de Dieu. Seule parole là qui retire nos soyez. Seule parole là qui oui jo éclaircir ou fort ou lumière à la gloire du Seigneur. Donc il est important ou même qu'il a caillou partager service là ou même qu'il a et fait ça à la gloire de Dieu, partager live là et nos bon Dieu capable glorifier. Fais ça rapide. Nous allons démarrer là à la gloire de Dieu. Et bon, quand il va bien examiner après-midi, on dit que ça en pile, le monde est en suspect quand on levé pour y aller. Parce que tant de monde dit pour aller examiner là. Amen. Donc, est-ce que tout le monde est un petit cahier, nous fait une révision? Ah ben, on a plein. Nous prenons un gros risque pour nous faire une révision. Parce que nous avons fait n'importe quoi nous camper. Depuis son jour de là jeudi, nous avons campé pour faire récitation. Nous avons parlé la fois dernière de la doctrine de l'inspiration. Qui sa doctrine d'inspiration l'a affirmé? Qui ça le dit? Nous disons que doctrine d'inspiration, qui ça le dit dans la grande partie? Qui ça l'a affirmé? L'a affirmé qui ça? Que la Bible est inspirée de Dieu. La Bible est inspirée de Dieu. Ça devient la doctrine de l'inspiration, dit que la Bible est inspirée de Dieu. Nous devons quatre théories dans la doctrine d'inspiration. C'est qui la première théorie? Théorie, théorie qui ça? Néo-orthodoxe. Tout le monde a fait le cahier. Il y a quelqu'un qui a dit ça va connaître. Tout le monde a dit qu'il a copié, qu'il a fait là. Qui théorie nous dit? Théorie néo-orthodoxe. Et le deuxième théorie, qui est la théorie de la dictée. Sa troisième théorie, la théorie de l'inspiration limitée. Et sa quatrième théorie, la de la pleine inspiration verbale. Qui est-ce qui est promoteur mouvement ça, mouvement néo-orthodoxe là? Karl Barth. Avec qui est-ce encore? Ok. Et qui est-ce qui théorie ça dit en gros? On va tirer sur les théories ça. Qui sa théorie néo-orthodoxe là promote, à savoir contre l'inspiration de la Bible? Ça le promote. Il dit la Bible c'est. Est-ce que vous avez crampé dimanche quelque chose? Qui sa théorie a dit? Je vais demander les gars, mes amis. La Bible pas inspirée de. De Dieu. Qui ça le dit encore? Hein? La Bible écrit par des hommes. Puisque l'écrit par des hommes, nous pas qu'à faire la Bible quoi? Confiance. Comment est-ce que les théories ça? C'est théorie néo-orthodoxe qui t'a promoté par qui élément? Par Karl Barth. Et ça a campé, la démonté la Bible. Deuxième théorie, nous devons contre l'inspiration. Hein? Et de la Bible, c'est la théorie de la dictée. Qui sa théorie ça est stimulé? Qui ça le dit? Hein? Théorie ça dit ça? Bon Dieu dicté la Bible là mot à mot à hauteur. Est-ce que théorie ça est acceptable ou bien pas acceptable? Il n'est pas acceptable. Ça qu'elle pas acceptable? Hein? Pourquoi ça? À cause de différents styles noués dans la Bible, donc mon Dieu tenu compte de liberté mounan, mon Dieu pas de dictée la question inspiration de la Bible. Nous avons une théorie de l'inspiration limitée, ça le dit. Théorie ou partie de la Bible inspirée, ou partie de la Bible pas inspirée. Qui verset qui répond théorie ça? Qui verset mieux qu'à répondre à la théorie ça? De Timothée 3, verset, qui ça le dit? Hein? Toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, corriger, convaincre et puis instruire. Ça veut dire que la Bible pour question de partie bon, ou partie pas bon, c'est que toute écriture est inspirée. Donc c'est ça, Paul Pradim, la question ça.
Et théorie de la pleine inspiration verbale là. Qui ça le dit, hein? Vous trouvez la dernière théorie, c'est la théorie de la pleine inspiration verbale. Comment t'expliquer? Toute la Bible en entier inspirée de Dieu. Ok, selon 2 Timothée 3, verset 16. Qui est-ce qui te dit qui est inspiré? Est-ce que c'est auteur ou bien écriture? Il y a un monde qui dit auteur, il y a un monde qui dit écriture. Selon 2 Timothée 3, verset 16, qui ça qui est inspiré, auteur ou bien écriture? Écriture. Donc, selon 2 Pierre 1er verset 20 à 21, qui est-ce qui s'est passé là? D'après ça, Pierre dit là. Hein? Est-ce que auteur a été inspiré? Si vous m'expliquez, qui ça Pierre t'a pas fait comprendre de auteur ça? Les auteurs de la Bible qui ont écrit la Bible ont été qui ça hein? Influencés, contrôlés, dirigés par Dieu. Auteur n'a pas été inspiré, non, mais ont été contrôlés, influencés, dirigés par Dieu. Qui ça qui est inspiré, c'est les Écritures. Ok, est-ce que c'est clair pour tout le monde? On va avancer, pas vrai? Donc, à soi, nous parlons de doctrine, nous parlons de la même. Pas bien que nous avons étudié dans la session, ça, en semaine, ça, là. Et puis, on a fini avec la question de la Bible, là. Et à la semaine, ça, là, à soi, là. Et puis, semaine prochaine, nous parlons de l'autre doctrine. Donc, nous avons. L'habitude de doctrine de la Bible, qui c'est bibliologie. Donc, nous dit la Bible, c'est parole bon Dieu. Vrai ou faux? La Bible, c'est parole bon Dieu. En d'autres termes, la Bible, c'est révélation. Combien de types de révélation de vous avez? Il y a deux types de révélation. C'est qui révélation? Générale. Et révélation? Spéciale. À travers révélation générale, comment mon Dieu prouve l'existence là? À travers l'ana, bon mon verset pour qu'on ressorti là. Psaume 19. Qui ça dit? Hein? Les cieux racontent la gloire de et l'étendue manifeste l'œuvre. La révélation spéciale là. Qui ça mon Dieu révèle lui-même là? Révèle le caractère, personne, volonté. C'est clair? On va avancer. Quand on parle de l'inhérence de la Bible. Inhérence. I-N-I-R-R-E-N-C-I. Inhérence. I-N-E-2-R-A-N-C-E. Inhérence. I-N-I-R-R-E-N-C-I. Inhérence. Ça veut dire inhérence. 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 L'inhérence signifie que la Bible est sans erreur. L'inhérence veut dire que la Bible n'a pas d'erreur. Même Jean le débat originellement par mon Dieu, la Bible n'a pas de mystique là-dedans. Et sous ma partie avec l'idée de ça, ça va le mettre en jeu toute ça la Bible dit. Qui l'aime dire ça, c'est mystique. Ça bon, ça pas bon. Inhérence veut dire que. Ça inhérence veut dire. Mais sans erreur. Bible a pas de erreur. Bible a pas de mystique. Tout ça la Bible dit, c'est vérité. Et inhérence, bien entendu, il est limité avec manuscrits originaux. Et pas la traduction. Les traductions, c'est comme si ma traduit manuscrit original là. Soit en anglais, soit en panyol, soit en créole, ou quand même quelqu'un qui est dans ça. Mais le manuscrit original là, la Bible sans défaut, sans erreur. Ou quand même, il y a une frappe d'orthographe, par exemple, il est capable de dire, ou quand même, il y a les deux vents, il y a un S, est-ce que ça soit erreur là? Est-ce que ça soit erreur dans la Bible? Soit le monde qui a transmis la traduction. C'est pas ça? Si ma traduction, il me dit les hommes. Par exemple, la Bible dit les hommes, et puis homme écrit H-O-M-E. Est-ce que ça veut dire la Bible est mystique pour ça? Non, ça sont une orthographe. La traduction, mais le manuscrit original, mon diable, la Bible sans zéro. Qui ça fait me dire la Bible est inhérente? Ouais, hein?
Qui ça, maman, parce que vous l'avez dit, pour qui ça me dit la Bible inhérente? Si me dit la Bible est inhérente, ça me le dit pas là, hein? Ça c'est vrai? Ok, qui ça fait plus, ça c'est vrai? Parce que c'est la parole de Dieu. Deuxièmement, encore parce que ça, hein? Elle est inspirée de Dieu. À nous là. Me dit la Bible est inhérente, question d'examen. La Bible est inhérente, ça veut dire que la Bible est sans erreur. Qui ça fait me dit la Bible sans erreur? Parce que la Bible c'est la parole de Dieu et que la Bible est inspirée de Dieu. Donc moi je dis la Bible est inhérente. C'est ou bien la Bible pas la parole de Dieu ou bien la Bible c'est la parole de Dieu. Donc je vais pas dire là pas bon ça pas bon. Donc nous commençons ça. L'église, si nous croyons que la Bible c'est la parole de Dieu, et bien logiquement c'est pour nous dire que la Bible pas qu'à gagner et Bible ça, livre ça nous dans bien nous. L'existe longtemps. Et bien avant d'exister. Donc nous tous d'accord en matière de foi. La Bible c'est seule autorité, c'est pas ça? Seule la Bible qui a dit ça pour me faire, ça pour pas faire en matière de foi et de vie, c'est pas ça? Pas que l'autre livre encore. Donc, et qu'on y a, nous tous d'accord là, Facebook nous d'accord que la Bible c'est la parole de Dieu, vrai ou faux? Mais si c'est parole de Dieu, elle dit que la Bible n'a pas gagné erreur à cause du caractère de Dieu. C'est pas ça? C'est pas parole de Dieu. Lui. Eh bien, il n'a pas gagné erreur. Why? Il n'a pas gagné erreur. Eh bien, à cause du caractère de Dieu. On regarde dans Jean 17, verset 17. Il n'a pas gagné erreur pour que ça ait à cause du caractère de Dieu. Jean 17. Verset 17. Jean 17, verset 17. Jean 17, verset 17. Qui ça le dit? Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par qui ça est? Par ta vérité? Qui ça est? Ta parole est la vérité. Mais à cause de caractère, mon Dieu, la Bible n'a pas gagné. Si vous ne pouvez pas parler de la Bible, peut-être que c'est vous qui avez gagné lui-même. Mais la Bible. Parce que si vous ne pouvez pas parler mal, vous voyez qui est-ce qui sait parler mal, c'est la Bible qui parle mal. Ou est-ce que ça a peut-être pas de problème? Et vous l'église, c'est inacceptable. Au moins, où est-ce que vous parlez de la Bible mal? Vous ne pouvez pas dire que c'est pasteur pour parler de la Bible mal. Ou pas qu'à dire c'est chrétien, ou dire c'est chrétien, pour parler Bible mal. Et c'est seule Bible à nous gagner en matière de foi. L'on dit la Bible qui est problème. La Bible pas bon. La Bible c'est blanc, pas de la Bible. On c'est blanc, pas de la Bible. Pour ça, nous venons à travers la Bible. Pour pas qu'à bon Dieu dit à travers la Bible qui réalise dans la vie, nous, c'est blanc fait. Donc, c'est blanc fait qui fait diable pas qu'à manger encore, pas vrai? C'est blanc fait, même si vous prenez un poison, le pape tout yon. Blanc. C'est blanc fait, si vous mettez un poudre à terre, vous passez sous lui, puis vous pas enflé. Blanc. 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 À cause du caractère de Dieu, la Bible n'a pas gagné. Et ouais. On regarde là, Romains 3, verset 3 à 4. Romains 3, verset 3 à 4. Romains 3, verset 3 à 4. Allez, qui ça le dit? Je vais dire Romains 3, verset 3 à 4. Hein? Et quoi? Si quelqu'un n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? On continue. Loin de là. Que Dieu, au contraire, qui ça est, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsque ton juge, lorsqu'on te juge, okay, que Dieu soit reconnu pour vrai. Pour vrai. Et que les hommes mentent. C'est nous qui mentons. C'est pas vrai? Bon Dieu n'est pas menteur. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Hein? C'est nous qui avons menti sur nous.
C'est nous qui avons fait mentir. Mais Dieu est fidèle, Dieu est vérité. Et l'Église, l'Écriture même, la Bible même prétend que l'inhérente. C'est pour être bien posé sur ses épaules. L'homme vous campe la critique et la Bible pour occuper. Pour occuper. C'est l'Église. Danger gain l'homme vous campe la critique et la Bible. Son danger pour retirer dans mon Dieu. Parce que je vous dis, si je ne dans la Bible, qui ça vous dit? Si je doute la Bible là, et c'est lié au moins. Il dit, seule ta parole est. En regarde Matthieu 5, verset 17 à 18. La Bible prétend elle-même être inhérente. La Bible en lui-même déclare il va gagner. Matthieu 5. La Bible en lui-même il déclare il va gagner. Matthieu 5. Nous venons Matthieu 5, qui va samedi 17 à 18. Matthieu 5, 17 à 18. Qui ça le dit? Ne croyez pas que ça hein, que je sois venu pour abolir la loi. Qui est-ce qui a parlé là? Jésus qui a parlé là. Ne pas comprendre que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes. L'un dit la loi. De qui ça Jésus a parlé? La parole. La parole là. La loi. La loi, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nom, Théonome. Okay. Jésus mentionne. Okay. Si Jésus mentionne le livre qui est dans la Bible, okay, Jésus a prouvé. Vous avez ça, hein? Okay, tout le monde est exemple là. Hein? On continue à verser à nous. Ne croyez pas que je sois venu qui ça, hein? Mettez verser à mon comédien. Pour que je sois venu pour, que, hein, pour abolir la loi. Ou les prophètes. Qui ça, hein? Qui partit les prophètes là, hein? Les prophètes, c'est qui qu'est-ce qui vivait? Jérémie, Esaïe, y a ça? Daniel, Ézéchiel, Osée, Joël, Michée, Nahum, Habacuc. Que Jésus mentionnait la loi et les prophètes. Ça veut dire que Jésus lui fait référence à yo. Il dit monsieur yo, m'pa vin éliminer yo. M'pa vin finir avec yo. Pas quoi que m'vin m'abolir qui ça hein? La loi et les prophètes. Si Jésus mentionnait livre ça yo, d'accord? Livre ça dans la Bible parce que du temps de Christ livre ça avait existé. Ça veut dire que la Bible en lui-même déclare que bagaille ouais. En gardant Jean 10. Jean 10 verset 31 à 36. Jean 10 31 à 36. Donc je dis Jean 10 31. Tout le monde vient avec la Bible. Oui, attendez, je ne vais pas nous dire conseil. Oui, étude biblique. Souvenez avec la Bible, la Bible que le téléphone. You know why? Ou à fin de la Bible. Ou à fin de tout le livre situé très facile. Ok, on va pas habitué à fêter, chercher. Même les fin de faire étude, on va jouer le livre là, mais on va venir quand même. Donc, je conseille, même les gens qui la caille, le capitaine de là, c'est un meilleur moyen pour connaître la Bible. Quand c'est dans l'église de Bible. Et puis, il n'y a pas à faire pour venir à l'étude là, pour démon garder ou garder. Il faut pas non. Ou venir à l'étude biblique. Il faut que sous first time, ok, mais next time, tout le monde qui l'a déjà, vous conquérez. On ne peut pas venir à l'étude où je suis en garder pour ça. Alors, comme si ça me dit là, on connaît déjà. Pas besoin. On connaît déjà. Alors, comme si, qu'on a tout samedi, l'on a songé. Faut qu'on papier dans le monde. Papier, il faut qu'on caille dans le monde. Faut qu'on caille dans le monde, ou qu'on plume dans le monde, et qu'on écrit. Faut qu'on la parole de Dieu. Et malheureusement, tout leader t'a doué dans l'étude publique là. Ou pas qu'un leader, ou pas qu'on parle de mon Dieu. Mon Dieu. Donc, mon courage, là, on m'a fait étudier, viens avec Bible papier. On m'a appelé Bible électronique. Pour qu'elle feuille-t-il, mais c'est au plus qu'on est Bible. Parce que la Bible, ça a 66 livres. Il y a des livres, si je dis là,
soirée a fini, nous pas venir. Mais si on vient activer Bible ça, ou même qui la caillou et puis chaque temps de la salle, regardez, on va finir par venir. Qui va me dire là, Jean 10 qui verset 31. OK. On nous lit. Alors, qui ça, hein? De nouveau, des pierres. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être adhérée. Ici, je ne parle pas. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Très bien, mais ça me voit, oui. 35, là, dit, si elle a appelé Dieu, ce qui a la parole de Dieu, et a été adressé, qui la parole de Dieu, la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie. Donc Jésus confirme que la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc la Bible est inhérente, la Bible est sans zéro. Il m'a l'autre conseil encore lors de l'étude. Lorsque vous dites, ouvrez la Bible là, il a fait lecture, lis tout. Parce que, il va nous dire, mais c'est chaque jeudi qu'on ouvre la Bible, on l'ouvre là. On aussi, bam, des gens à lever même. Même pas fait ça. Mais quand pile là, nous là, nous pas j'aime la Bible à vrai, Mathieu. Donc, c'est le jour jeudi, on est en train de possible de venir. Et au final, la Bible là, les a fait lecture, pas chita calé, j'ai ou non j'aime, la Bible à vrai. Ça, il doit l'église en est bien. Moun qui chita la Bible là, ou grandit spirituellement, danser pas fort grandit, non? Chanter pas fort grandir, non? C'est pas parole là fort grandir. Parce que souvent, on ne parle pas de parole là. Avenir spirituel ou pas pour l'homme. J'ai pas bonjour. Malheureusement, en pile mon l'église, il y a une majorité, pas qu'on n'a pas le Dieu. Ils sont seulement venus adorer, chanter, danser, pomper, mais il n'y a pas de rien dedans. On conseille au final, Bible papier. Et puis, il a fait lecture, ouvert Bible papier. Et puis deuxièmement, les applis ou lit. On va chez toi regarder comme ça. Pour moi, quand fait étude la moi lit tout. C'est pour lui. Donc l'église, ça veut dire que ça est l'inhérence de la Bible. Sans erreur. Qui s'affirme qu'a dit la Bible sans erreur? Deux raisons. Hein? Première, c'est qui ça, hein? La parole de Dieu. Deuxièmement, qui ça, hein? Parce que la Bible est inspirée de Dieu. Et quand la Bible sans erreur encore, à cause de qui ça encore? À cause du caractère de Dieu. Voilà quoi ça? Est-ce que si je dis à cause du caractère de Dieu, la Bible parle de Dieu, que bon Dieu, c'est bon Dieu qui campait pour la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Il dit parole là, c'est vérité. Et vous devez comme ça, vous devez d'accord ça. Les gens sont bien, oui. Il y a des références pour nous, oui. Qui passe dans l'Ancien Testament. Et puis, Nouveau Testament pour le citer. Est-ce que vous allez? Ça veut dire que, une cohésion, un attachement. Si Nouveau Testament fait mention de ça qui passe, c'est dans le Testament, et très souvent tout, même Jésus fait mention de ça. On regarde par exemple, on regarde par exemple. Matthieu 12, 38 à 41. On regarde qui ça dit. Matthieu 12, 38 à 41. Matthieu 12,
38 à 41. Tout le monde ouvert Bible papier ou? Et puis, lis avec moi à la gloire du Seigneur. Vous connaissez que la Bible, vous ne pouvez pas finir la Bible, non? Gagnez fois m'a fait quelques lectures bibliques. L'île pour qu'adou l'île non. La Bible ou habitué à la Bible trop, ça va pas n'importe où. Qui verset me dit les Matthieu 12 qui ça me dit? OK, on nous tout lire avec. Qui ça dit? Alors et les pharisiens prirent la parole et qui ça hein? Et dit: "Mais nous voudrions te voir faire un miracle." Qui ça Jésus dit? Il leur répondit: "Une génération et adultère. L'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits. Ça nous est là. Hein? Qui est-ce qui a parlé là? Hein? À qui ça nous est? Jésus fait référence. À qui ça? À Jonas. Ok? Qu'on y a sous mon dadi l'histoire Jonas, sur l'histoire qui fait, mais Jésus au monté. Vous comprenez? Si Jésus, pour confirmer que la Bible n'a pas gagné, il y a une illustration, et puis il cite non Jonas. Mais là, Jésus était sous la terre. Jonas, ça a passé longtemps. Christ est même là. Christ dit comme ça. Même Jean Jonas t'a fait 3 jours, 3 nuits là. Mon nom n'est pas parlé en plus, c'est menti. Mon Jésus dit. Pour ne citer que cela. On va quelque chose de comme ça. Même Bavlé était trop là dans n'a avancé à la gloire de Dieu. Est-ce que c'est clair jusqu'ici, m'a parlé l'autre pour le bagage là, rapide? Est-ce que tout le monde comprend sauf à tout samedi là? Ok. Moi, on va révéler canonicité. J'aime dire là, canon, C-A-N-O-N-I-C-I-T-E, accent aigu. Canonicité. C-A-N-O-N-I-C-I-T-E. Canonicité. Je vais faire ça en pile question, en pile mon a posé. Livre ça avec la Bible là. Comment faire la Bible là? En pile mon a bien connu. Nous avons ça canonicité. C'est comme un livre que nous possédons, nous reconnaissons comme la parole de Dieu. Ou bien si me dit le canon, ou quand il a parlé, il dit le canon. Le canon. Vous savez, le canon, c'est liste livre qu'accepté qui constituait la Bible. Vous savez, le canon. C'est livre accepté, il dit mon livre, ça rentre dans la Bible. Là. Vous savez, le canon. Bon, exemple. Matthieu fait partie du canon. Vrai ou faux? Ça fait comment vous en dites le vrai? Hein? Parce qu'il est bien. Debout quoi dans son diable, même si il me dit le pas bon, ou dit le bon? Il dit le canon, c'est la liste d'elle, c'est liste livre acceptée qui constitue la Bible. Vous allez savoir le canon. Genèse fait partie. Est-ce que ça fait partie du canon? Yes. Apocalypse. Yes. Exode. Yes. Combien de livres qui fait partie du canon? Yes. Ah, nous finissons de théologie net là. Okay. Donc le canon. Canon sous standard. Sous standard. C'est pas ça? Sous sorte de standard. Sous sorte de mesure. Mesuré, sous standard. Pour me dire, livre ça, il fait partie de la Bible. Il est d'accord pour vrai. On y a, ça qui est important, on y a. Sous qui critère pour dire, le livre, bon, il est vrai, et puis il est fourré dans la Bible. Parce que, mais on a un bon critère. Bon critère, la son chit, on dit Genèse inspirée de Dieu. Mais mon critère, c'est ça, c'est que, pas bien que, en 70 là, il y a 14 autres livres apocryphes
qui va là? Ou bien Maccabée, Tobie, Sagesse de Salomon. Le livre, ça a un style dans le livre catholique. Là. Donc, on y a, et ça, ce n'est pas seulement critère inspiré, mais il y a un critère qui est un standard. Qui dit que tel livre n'est pas capable. Critère, écrit un critère de canonicité. C'est un standard, une mesure. Premier critère, c'est est-ce que le livre ça fait autorité? Est-ce qu'il y a autorité? Pour le gain autorité, c'est pour le gain la donne parole bon. Okay. Premier critère, pour me dire mon livre ça doit être canon, il fait partie du canon. Eh bien, faut me dire que est-ce que le livre ça fait-il autorité? Est-ce qu'il y a autorité? Qui le livre qui a autorité? C'est le livre qui est en dedans la parole de Dieu. Deuxième critère, est-ce que le livre ça prophétique? Est-il prophétique? En d'autres termes, qui veut dire que est-ce que il est écrit par des hommes ou par Dieu? Est-ce que il fait autorité? Est-ce que le prophétique? Est-ce qu'elle a une parole bon Dieu en dedans? Est-ce que c'est l'homme qui écrit ou bien c'est mon Dieu qui écrit? Écoutez-vous comme là? Écoutez-vous. Est-ce que c'est mon Dieu qui écrit? Ou bien est-ce que c'est l'homme qui écrit? Ou bien est-ce que livre ça vraiment, pour me mettre dans la Bible là, est-ce que c'est parole bon Dieu vraiment? Et maintenant encore, est-ce que livre ça authentique? Est-ce que l'authentique? Est-ce que l'est fiable historiquement? Est-ce que l'est fiable? Est-ce que l'authentique? Il y a maintenant encore, est-ce que livre ça dynamique? Ça veut dire que est-ce que livre la grande puissance qui a transformé la vie? Est-ce que dynamique? Est-ce que il fait autorité? Est-ce que le prophétique? Est-ce que il des paroles bon Dieu? Est-ce que c'est l'homme ou bien mon Dieu qui écrit? Est-ce que le dynamique avec eux? Est-ce que le livre ça a une puissance qui a transformé la vie? Et l'église, Bible ça a changé le monde. Ah oui? C'est l'église. L'homme devine jouer le livre. La vie ne bat rien. C'est pas vrai? Nous dit, libre un morceau. Comment le faire? Hein? Je ne sais pas si seul monde qui est bon depuis ce mois avant de croire à Christ. Et même les nous disons que nous croyons à Christ, nous ne sommes pas traqués. Il y a des gens qui disent que c'est protestant, c'est l'évangile, nous disons que nous ne sommes pas traqués. C'est bien. Est-ce que le dynamique, est-ce que le bon puissance qui a changé la vie? Ah, libre parole, ça a changé Zaché. Bon, moi, je ne sais pas si je suis là. Paul, femme adultère, samaritaine, apôtre Pierre, ne quitte pas. Ça veut dire que, parole là, l'âme, il y a une puissance qui a changé le monde. Et enfin, mais ça veut dire, est-ce que le livre ça a accepté? Est-ce que l'église reconnaît lui et puis utilise lui? Si il va répondre à tout, reste à eux. Et bien, dès lors, il a dit bon, et bien, livre ça, son livre qui est fiable, nous avons fait confiance, et bien, il va rentrer dans le canon. Vous savez, qui ça m'a le canon de cité? Ça m'a le canon? Qui ça m'a le canon? Ça canon, hein? C'est livre qui a accepté pour faire partie de là. De la Bible. En tout cas, l'Église, le canon de l'Ancien Testament. Le canon de l'Ancien Testament. Mm-hmm.
L'église, au temps de Jésus, en ce qui est l'Ancien Testament, est un film normal, complet. Combien de livres Ancien Testament ont gagné? Comme il dit 5. Au monde, ça va me sanctionner. Combien de livres Ancien Testament gagné? 39. Alors, ou a gagné pas comme ça. Pour ton baptiser longtemps. On t'a oublié ça. On t'a oublié ça. Combien de livres il gagne? 39. Et il était dans le temps Jésus, il était là déjà. En 4 Matthieu 5, verset 17, nous avons tout 39, il était là au temps de Jésus. Matthieu 5, verset 17. Matthieu 5, verset 17. Ok. Nous tous les gens, ça le dit. Ne croyez pas que nous sommes venus pour abolir la loi et les. Que la loi et les prophètes, c'est tout l'ensemble de l'Ancien Testament. Okay. Au temps de Christ, le canon de l'Ancien Testament, tu es prêt déjà, tu es ratifié, certifié, et puis confirmé, affirmé par Jésus-Christ. L'Église est claire, je ne suis pas venu pour m'abolir. Et un grand historien, le Flavius. Ou pas qu'à théologie, ou pas qu'on historien, ça. Flavius Joseph, un grand historien, que tout le monde va y crédit. Et bien Flavius Joseph, lui, l'admet, l'affirme que, et 39 livres là, lui authentique pour faire partie du canon. Grand historien. Ça te confirme que, depuis au temps de Jésus-Christ, 39 livres là, t'es guettant là. Et les pères de l'Église, les leaders du premier siècle, comme par exemple les Polycarpe, mais next à eux, ils ont accepté canon. Prescal, lui à l'imité, ils ont accepté tout livre qui est dans canon. Next à eux, les hommes de Dieu, ils ont accepté, ils ont d'accord pour vrai. Ils ont dit, bon, d'accord que le livre, ça y est, qu'a fait partie du canon. Donc, au temps de Jésus, le canon de l'Ancien Testament était-il déjà présent? Hein? Yes. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Jésus, quand il fait mention de l'Ancien Testament, il dit la loi et les prophètes. Donc, au temps de Jésus, Christ est à approuver. Et dans l'Église, il y a une autre preuve encore. On regarde dans Colossiens 4, verset 16. Donc, lettre circuler dans la toute l'église. L'autre de Colossiens, c'est une lettre. Éphésiens, c'est une lettre. Thessaloniciens, c'est une lettre. Mais lettre ça, on regarde qui ça, Paul a dit là. Et Colossiens 4, verset 16. Qui ça dit? Lorsque cette lettre aura été lue. Attendez. Alors, où est-ce que ça vient là? Qu'on a quelqu'un là, pas contre côté Colossiens. M'attend nous chercher le bon moment. Mon papa plus ça. Et m'a pas voulu aucun jeu là. C'est vous jouez Colossiens. Colossiens arrive trop loin. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'il s'en qu'elle soit lue dans l'église des Laodicée. Ou pas de connaître l'église de la Odyssée? Ok. Mais Paul m'a dit l'être Colossiens, ça, Binvoye la Rounia, c'est pour nous faire l'être ça, pour y aller l'île tout. L'église de la Odyssée. Ok. L'église, y'a accepté. C'est pas ça? Les chrétiens de Colosse acceptent. Paul m'a dit pour que c'est la Odyssée, tout, l'île ça. Alors que la circulaire, dès lors que, dans le sens que, les anciens de l'église, ils ont affirmé que, la Bible et le livre, ça, il fait partie du canon. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Il n'y a pas de Colosse, là où il y a la Odyssée.
C'est le même bloc à Zimineux là. Il va pas de distance, mais essentiel, ou après un bateau pour aller peut-être. Toutes les choses dans toute l'église aussi qu'il est. Pour vous, j'ai même issue, non? Tout c'est la parole de Dieu. Je vous montre que, puisque c'est la parole de Dieu liée, n'importe monde servi, n'importe l'église servi avec l'aide là. Il y a une lettre qui a adressé à un monde spécial, pour un problème spécial. Par exemple, mais toute lettre ça, nous-mêmes, est-ce que nous sommes peuple colossien? Non. Mais est-ce que vous avez dit à vous, à nous-mêmes tout? C'est le sens à me montrer que l'être là dans l'église, mais pas pour dire l'église ça dit, l'être bon. Toute l'église, l'être là, circuler toute l'église l'île, puisque l'île servit avec lui, donc il est d'accord pour vrai, il est d'accord comme étant la parole de Dieu. Dès lors, puisque l'église d'accord, toute l'église ancienne, les pères de l'église l'ont accepté comme vrai, comme bon de Dieu, donc il est jugé nécessaire, mais l'être ça fait partie du canon. C'est clair? Et l'église, Pierre, par exemple, Marc pas trois apôtres, vous êtes d'accord ça? Mais Marc est représenté par Pierre. Luc, pas l'apôtre, mais Luc représenté par Paul. Ok, Marc pas apôtre, Marc écrit dans la Bible là, mais Pierre Bal, vous êtes cité, parce que Pierre est avec Jésus, Pierre est là. Luc pas l'apôtre pour l'appeler à Jésus. Mais docteur Luc, c'était Moun Paul. Paul authentifié. Parce que, vous voyez, Luc toujours voyage avec Paul. Donc, Luc écrit, ça l'écrit, il est fiable parce que il est bien avec Moun, qui était proche Jésus, qui vit l'histoire. Vous comprenez? On regarde qui ça, Pierre. Puis Pierre a dit de Paul. 2 Pierre 3, verset 15 à 16. 2 Pierre 3, verset 15 à 16. Qui ça le dit? 2 Pierre 3, verset 15 à 16. Regarde que l'homme, on a dit les épîtres de Paul, pas bon, mais Pierre prend le corps de Paul là. On a les bruits. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Moi, j'ai jeté dans ça, dans la Bible. C'est le qui doit dire ça. Tout le monde Bible, c'est pour chercher pour bon pied. Et puis, Bible téléphone, je ne vais pas faire confiance. Et Bible papier, pour chercher pied, maman. Bon de pied. Et moi, je fini là, pas de jambes, je ne vais pas tourner dimanche matin là, liste là, chercher côté pied. On a les deux pieds. Qui ça, hein? Croyez que la patience. Mettez-moi média, mais souvenez-moi. 2 Pierre, combien me dit? En tout le monde, nous lit ensemble. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul. Qui est-ce qui a parlé là? Pierre. Qui nous cite là? Paul. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit sur la sagesse. Qui lui a été, que Pierre a affirmé ça pour l'écrit, ça va sagesse, mon Dieu. Qui ça dit là, hein? C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres. Il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Ah, ça c'est vrai. Dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre. Oui. Donc, Pierre ici affirme que. Les écrits de Paul sont authentiques. Et Paul, c'est l'un qui écrit plus de bagaille. L'autre, c'est les épîtres pauliniennes. On a l'autre, qui ça, hein? Romain. Encore. Éphésiens. Philippiens. Colossiens. Thessaloniciens. 1 et 2. Timothée. Tite. Philémon. Où est tout ça l'écrit? Eh bien, Pierre affirme que. Eh bien, c'est ça bien aimé frère Paul fait, il parle de sujet ça au trait dans toute ça l'écrit yo. Dès lors, si Pierre l'église Pierre ou disciple authentique comme ça campé, il dit nègla toute ça l'écrit yo, l'écrit la sagesse qui lui a été donnée, la sagesse d'en haut. Donc les épîtres de Paul, ils ont fait autorité, ils ont gain droit, fait partie du canon. Qui ça qui va au livre autorité pour faire partie du canon? Il y a un critère
Bon, un critère qui fait un livre capable de lire la Bible. Est-ce qu'elle a une puissance qui est capable de transformer la vie? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que m'est avancé? Est-ce que m'est avancé? M'bralwe kounya la composition, les langues de la Bible. Question d'examen. Les langues de la Bible. C'est pas gros tout yoko. C'est pas langue ça. Pas bon, c'est mal, pas la langue kounya. Je ne vais pas faire ça. Ça. Les langues de la Bible. Les langues de la Bible. La Bible, originalement, écrit en combien de langues? Trois langues. Originalement. À l'origine, la Bible écrit en trois langues. Trois langues. Monsieur, nous prenons note. La bien examen, hein? Trois langues. On va partir de jeudi, les bouts n'ont pas un caillou, pas un plume, ou mettre tout dedans. Quel que soit mon nom, les bouts n'ont pas un kayak, plume, ou écrit, ou mettre dedans, ou bien venir à parent. Ou bien venir à parent. Les langues. La Bible écrit dans combien de langues, hein? En trois langues. Tout livre Ancien Testament, yo écrit en quelle langue? En hébreu. La Bible écrit en trois langues et tout livre Ancien Testament écrit en hébreu. Tout, combien de livres Ancien Testament gagné? 39 livres. Trois langues, ça veut dire qui est souillé? C'est hébreu, araméen et puis grec. La Bible écrit en trois langues, hébreu, araméen et puis grec. Tout livre Ancien Testament, yo écrit en hébreu. Tout livre Nouveau Testament yo écrit en grec. Tout livre Nouveau Testament écrit en grec, tout livre Ancien Testament écrit en hébreu. Hébreu c'est la langue officielle peuple juif là, l'hébreu. Mais pourtant il y a quelques points en hébreu. Pourtant Ancien Testament écrit en hébreu. Il y a quelques parties dans Ancien Testament qui écrit en araméen. Peut-être nous quelques parties qui écrit en araméen dans l'Ancien Testament. Esdras 4, verset 8 à 6. Esdras 4, verset 8. Jusqu'à Esdras 6, verset 18. Il est écrit en araméen. Esdras 4, verset 8. Jusqu'à Esdras 6, verset 18. Écrit en araméen. Daniel 2, verset 4. Jusqu'à chapitre 7, verset 28. Écrit en araméen. Etc. Est-ce que c'est clair? Hein? Daniel 2, verset 4 jusqu'à Daniel 7, verset 28 écrit en araméen. Mais pourtant, tout livre en Ancien Testament écrit en grec. C'est ça? Tout livre en Ancien Testament écrit en grec. Ça ne dit pas ça? En créole, c'est pas ça? En hébreu. Tout livre Nouveau Testament écrit en qui ça? En grec. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? On regarde maintenant la composition de la Bible. La composition de la Bible. Et bien, la fin de aujourd'hui, là, et puis peut-être jeudi, examen qu'a fait, c'est sûr et certain. Oh. Puis la fin de faire tout parler en pile, ça, yo. Pour le vérifier. Et puis, examen, m'a chuté, et puis, m'a cité. Allô, examen, ça, l'a lié. M'a dit premier banc campé. Et vous me garder bouche. Et puis vous ça à rigoas du bon côté. Mais nous pas s'amuser. Mais qu'on soit tremblé. On va trembler des fois. Vous voyez ça félicitation la cité non. On dit Jésus fait pas cité non. On va faire qu'il est voulu à passer. Pour réciter la gala. Enfin. La composition de la Bible.
La Bible est composée de combien de livres? 66 livres. La Bible est composée de 66 livres. La Bible est divisée en deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. La Bible est écrite par près de 40 auteurs. Près de 40 auteurs de styles différents. Et c'est ça que fait théorie de la Bible. La Bible, c'est une bibliothèque ambulante. Parce que près de 40 mouni qui l'ont bagaille, 66 livres, donc la Bible, c'est une bibliothèque ambulante. Donc, il y a une division, la Bible, il y a une division Bible juive là, mais nous avons une division moderne de l'Ancien Testament. Je ne sais pas division juive là, et là, trop compliqué, mais nous avons une division moderne de l'Ancien Testament. Combien d'auteurs environ qui écrivent comme ça? La Bible, division moderne de l'Ancien Testament. D'abord, nous avons le Pentateuque. P-E-N-T-A-T-E-U-Q-U-E. Pentateuque. Puis, de l'esclavage jusqu'à démarche pendant que vous sortiez en exil. Pentateuque. Après Pentateuque, nous allons joindre les livres historiques. Les livres historiques sont au nombre de 12. On va le citer, non? Après, il y a des noms qui sont venus. Hein? Ok. Des noms. Josué, juge, Ruth. Josué, juge, Ruth. Ok. Ok, il y a un nombre de 12. Pentateuque, combien il y a là-dedans? 5. Les livres historiques, comme vous avez là dans vous? Vous avez là dans vous 12. Livre ça va le raconter. Livre ça va étendre de Josué à Esther. De Josué à Esther. Vous allez raconter une histoire de la nation israélienne depuis les conquêtes de Canaan jusqu'à ce que Judas retourne dans l'exil de Babylone. De Josué à Esther. Et après, vous allez louer les 5 livres de sagesse. Les 5 livres de sagesse. Livre ça va étendre de Job rivé dans Cantique des Cantiques. L'on fin de Job, qui livre vous jouez? Somme. Proverbe. Ecclésias. Cantique des. Même l'Esaïe. De qui classe Esaïe fait partie? Prophète. Petit prophète ou bien grand prophète? Hein? Grand prophète. Moi, je dis la Bible moderne, non, divisée. Premièrement, pour répartir, c'est qui ça? C'est Pentateuque. Combien de livres Pentateuque la gagne? 5 livres. C'est de Genèse à Deutéronome. Deuxième segment, c'est les livres histoires. Combien gagne-t-il? 12. Ils sont de qui bon de Josué à Esther. Après, nous avons les livres histoires. Combien il gagne? 5. Les livres de ça? Combien il gagne? 5. Qui bol situé de Job à Cantique? Ah, ça y est, question d'examen lié. Okay, ouais, je dis là. Ma bina avec Espolis là, vous suivez. Et après, qu'on y a, nous parlons de l'autre livre. C'est qui livre de les 17 livres prophétiques. En dans 17 livres, vous pouvez dire ça, nous allons le classer en prophète majeur, prophète mineur, ou bien grand prophète, petit prophète. Et puis, Ancien Testament, il est là. Et Nouveau Testament lui-même, combien de livres Nouveau Testament a gagné? 27 livres. Première section du Nouveau Testament, comment le répartit? En quatre
l'évangile. Quatre, qui est lié? Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ok? Quatre l'évangile. On parle des gens. Nous avons dit Jean, on parle des gens différents de eux-mêmes. Différents. Dans quatre livres, Jean sont livres qui sont très théologiques. Et depuis le commencement livre Jean soit absolu sur lui qui va être là pour son. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. En elle était la vie. Son livre qui est très profond, très théologique. Et comme si ce qui intéressait Jean, c'est je parle bon, les signes. Pour Matthieu, Matthieu a montré Jésus-Christ comme le serviteur. Pour Luc, Christ c'est le Fils de l'homme. Pour Marc, librement Christ comme un bref, mais ce qui intéresse Marc, c'est parce que c'est surtout les miracles de Jésus. Mais pour Jean, c'est différent. Jean, son livre très théologique, très posé. C'est pour un livre qui a monté sur lui comme ça. Mais tout ça, Jean, c'est pour prendre son. Et ça fait trois livres, ça y est. Tout ça, je viens dans Marc, Matthieu, Marc, ou venu dans tout. Pourtant, il va revenir dans Marc, Matthieu, ou pas venir dans Jean. Et ça, que c'est pour les synoptiques, mais trois, ça y est, une ressemblance. Pourtant, Jean lui-même lui a un peu dit différent. Ok? Moi, je dis que la première partie, c'est qui s'allie? Les quatre évangiles, c'est Matthieu, Marc, Luc, Jean. Qui racontait événement, la vie de Jésus, ministère de Jésus. Après ça, nous allons le livre des Actes des apôtres qui va parler nous de l'histoire de l'Église et puissance Saint-Esprit. Et puis ça, après ça, nous allons jouer les 13 épîtres de Paul. 13 épîtres de Paul. Après l'épître de Paul, là, nous allons jouer Pierre, Jacques, Jean, Jude, finalement, Apocalypse. Les trois synoptiques plus l'évangile de Jean. Et puis nous allons jouer qui ça encore. Les épîtres de Paul. Et puis, Pierre, Jacques et Jean, Jude. Et après quoi, nous allons dire que ça encore là, c'est l'Apocalypse. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Le? Livre de yes, les épîtres de mais auteur inconnu, nous avons mentionné dans le livre, auteur de cette épître est inconnu. Les épîtres de Paul, où je viens Marc et où je viens Jude après, Jean, un Pierre, deux Pierre, un Jean, deux Jean, trois Jean, où je viens Hébreu et tout, et puis après ça, où je viens Apocalypse. Qui c'est aussi ce qui m'a 27 livres qui composaient le Nouveau Testament. Ancien Testament, combien il y a 39. Première section, c'est qui ça? Pentateuque, combien il gagne? 5. Deuxième section, c'est qui ça? Livre historique, combien il gagne? Troisième section, c'est qui ça? Sagesse, combien il gagne? Quatrième section, c'est qui ça lié? Prophétique, tu vois ça? Combien il gagne? 17. Nouveau Testament, lui-même, il gagne? 27. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? On a campé l'après-midi à là. Et nous parlons de quelques questions, mais juste avant, et si vous n'avez pas clair, nous allons essayer de faire le clair pour nous avancer. Des mille trois clés, nous n'avons même besoin de poser des questions, des mille trois clés. Et si vous avez une question à poser, on va poser des questions dans ça, saute là. Nous devons aujourd'hui à ce que ça, c'est inhérence. Qui s'appelle l'inhérence? Sans erreur. L'homme dit l'inhérence de la Bible. Ça me dit Christophe. L'homme dit inhérence de la Bible. Ok, la Bible pagain et ouais, la donne. Tout ça, la Bible dit, c'est ça. Ok. Qui ça fait m'a dit la Bible sans erreur? Deux bagages besoin. Parce que c'est parole de bon Dieu. Parce que la Bible est inspirée de Dieu. Qui ça fait m'a dit encore la Bible sans erreur? À cause du caractère de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Et nous avons encore quelques références que, côté que,
Jésus fait mention de quelque histoire pas passée. Que Jésus accepte quelque histoire passée. Si Jésus cite au bagaille, l'on référence, c'est que l'on sens positif, c'est que bagaille là, il accepte. Acceptable. Nous devons être canonicité, canon. Ça me les canons. C'est tout. Ça me les canons. Toute liste. Livre qui fait partie de la Bible. Dans mon critère, mon milieu de critères, ceux qui sont basés pour dire livre ça doit être un canon. Il fait autorité. Qui ça fait pour le faire autorité? Folle ces paroles bon, quand c'est seule parole bon Dieu qui fait autorité. Bon, le mec encore. Les dynamiques. Ça va être pas dynamique livre là. Est-ce que le grand puissance qui est capable de transformer la vie. Est-ce que nous d'accord dans la Bible là, des paroles qui changent le monde? Vous voyez ça? Vous voyez ça dans le Corinthien? Vous voyez ça dans le Corinthien? Vous voyez ça dans l'Éphésien? Vous voyez mieux? Tout le monde qui a changé la vie. Donc, dit la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est une grave erreur. C'est pas vrai? Grave, oui. Dans quelle langue la Bible est écrite? Ancien Testament, dans quelle langue est écrite? Oui. En combien de langues en général la Bible est écrite? Trois langues. C'est quelle langue? Hébreu. Et puis français. Hébreu, grec, araméen. Qui partie dans la Bible qui est écrite en hébreu? Ancien Testament. Qui est quelque partie qui est écrit en arabe? C'est l'ancien, mais le nouveau le venu. Ancien Testament. Qui partie dans la Bible qui est écrit en hébreu? Oui, je dis ancien. Ancien, qu'est-ce que vous dites, ancien? Nouveau Testament écrit dans quelle langue? Nouveau écrit en qui ça? Ancien écrit en qui ça? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok, nous disons notre et composition de la Bible. Combien d'auteurs qui écrit la Bible en général? Hein? Combien? 25? 40. Avec culture variée, culture différente. C'est la raison pour laquelle nous disons que il y a des gens qui dit la Bible c'est une bibliothèque. Près de 40 mots de la Bible et puis 66 livres. Et là, on a une division modèle en ce testament. Première partie, c'est qui ça? Pentateuque. Combien de livres Pentateuque là vous groupez? 5. Deuxième partie, c'est qui ça? Livre historique de Josué à Esther. Combien de livres liés? 12. Troisième partie, c'est qui ça? Combien de livres groupés? 5. De Job à Cantique de. Après ça, quand vous êtes encore là? Après ça, vous êtes? Vous petit quand? Combien vous avez? 17. En combien de classes livres prophétiques divisés? En combien de classes? Trois classes. Dis trois classes. Deux classes, qui ça lié? Grand prophète, petit prophète. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Si vous avez une question, posez une question, c'est que vous pouvez comprendre. Parce que je dis, je vais même visage là. Avant de là, je dis, je vais saluer. Je vais faire un examen, je vais faire l'élève, et l'élève va saluer. Je vais faire un mauvais, et puis rigoureusement la même. Mon cap numéro 9 devant. Il devrait plus qu'à mon micro. Tout le monde qui a une question, Michel, il va là. Et bien, bon microphone, posez une question. Pour nous sauver, on fait ça rapide. Oui, bon microphone, il va poser une question. Bon, ok. On va finir, tout le monde va toucher à l'évent, on a une question. Pas perdre du temps. Parce que sur qui critère que vous dites, type prophète, grand prophète, type prophète, sur qui critère vous basez, vous dites ça. David, nous sommes quand vous appelez les grands prophètes, monsieur, ça avait écrit en pile. Écrit en pile, de par style de caractère et de volume écrit, vous avez les grands prophètes. Les petits prophètes, vous avez Osée, Michée, Joël, Osée, Joël, Michée, Nahum, Habakkuk.
Qui est-ce qui dit ministère à ce prophète là? Les grands prophètes ouvriers, Jérémie, Esaïe, Ézéchiel, Daniel. Ok? Vous avez mis comme ma prépondre. Si vous voulez me parler avant, vous êtes devant, et puis get the mic. Oui. Est-ce que c'est un problème si un chrétien lit le livre apocryphe? Est-ce que son problème, un chrétien lit le livre apocryphe? Vous comprenez les critères sur l'apocryphe là? Un chrétien doit lire le livre apocryphe là. Mais peut-être en termes de recherche, même pas que si la Bible est si originale comme un canon, m'a compris à l'île pour nourrir foi. Même livre qu'on suppose aux chrétiens pas qu'à lire ces livres pornographiques, livre magie, right? Nous pas dire livre beaucoup de livre, nous pas dire livre magie, non, mais c'est livre qui va inspirer de Dieu. Mais si m'a lire les livres n'a plus l'école, nous il va inspirer Dieu, nous lire, après nous lire. On va lire les livres scientifiques. On va lire les livres là. Mais je crois qu'il va déranger foi. Parce qu'on est les fois pas sol du tout. Il y a douleur, on va chercher mes têtes. Oui. Amen. Va déranger foi. De vous qu'on est fort, solide, on va dire qu'on va le ébranler. Ok? Il y a des gens qui étaient fervents, qui étaient quoi là, mon Dieu? L'année qu'on rentre dans le collège, ou le professeur philosophique campé devant, du paquet de bagages tête en bas. La lue. Il vient pas croire ça. Il vient pas douter. Il vient pas croire Darwin. C'est pas croire. Nous pas créatures de Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme. L'homme, c'est descendant singe. Tout vieux concept, pas croire ça, philosophique, ça, idéologie, ça, ils ont rentré dans la tête, ils ont brouillé. Parce qu'on n'a pas de bonne fondation. Mais pourtant, ce n'est pas livre magie. Ce n'est pas livre dérèglement et publicité. Ce n'est pas playboy pornographique. Vous avez l'île pour connaissance, si vous voulez, pour information. Parce que l'intellectuel n'a pas qu'à borner seulement pour la plus seulement Bible. Vous d'accord ça? Ou qu'à lire l'autre livre, mais qui ne peut pas déranger foi. Parce que les livres, lire, l'entrée dans le cadre de recherche. Parce que les livres, il faut me connaître pour me dénoncer. Vous d'accord ça? Mais pourtant, depuis que vous sortez fort solide ou que vous lire, vous ne pouvez pas déranger personne sur mon livre apocryphe. Parce que si vous avez un livre brouillard, vous avez un livre. Et tu dis, il dit par contre qui auteur qui écrit livre hébreu. Oui, il dit par contre qui auteur qui écrit livre hébreu. Dis-moi là où il écrit. On sait, monsieur, par contre qui est. Moi-même, par contre, qu'est-ce que. Bon, la Bible pas dit qui est. Par contre, qui est. Depuis la Bible pas dit qui est. Par contre, même pensez que c'est malheureux qui écrit hébreu. Pensez. Grand pile de monde qui dit, bon, peut-être c'est Priscille ou bien Aquilas, les amis de Paul. Ça, c'est spéculation. Grand pile qui opte pour ça. Et il y a des gens qui disent que c'est Paul. Parce que, ouais, s'il l'assemble à Paul. Ou bien, il y a des gens qui disent que c'est Aquilas. Aquilas, c'est un grand savant. Aquilas, Priscille. Mais pourtant, la Bible dit l'auteur de cette épître, ça aurait été. Merci. Vous mentionnez un Jean côté au commencement de la parole. Question à base Jean sur... premier, pas un Jean. Jean premier. Merci. Jean premier, au commencement de la parole était avec Dieu. So, nous agrions que la parole vient de Dieu. Et puis, ma pensée avec verset qui dit toute écriture est inspirée de Dieu. Ma posé ma question, écriture ça, est-ce qu'il n'y a pas les spécifiquement écriture en tant que écriture texte qui sorti dans la Bible? Ou bien même j'aime bien apprendre verset ça en termes de tout m'est permis mais tout ne m'est pas utile quand on va parler de gain des textes on va utiliser en termes de recherche sur une fois faut faire preuve de esprit de discernement parce qu'on pas que doctrine la philosophie de Yoa même là on fait recherche pour discerner si texte ça que on appelle là dans l'an li en alignment ni yes. Avec parole bon Dieu hein. So et dans sens ça parce que des fois, il y a des gens qui n'ont pas parlé, qui n'ont pas converti, et puis il y a des paroles qui sortent dans mon nom, ou like, c'est mon Dieu seul qui est capable de ça pour moi, parce que j'ai besoin de ça. Like, la parole elle-même, c'est ou même qui peut faire discernement de qui esprit qui anime la parole, correct?
Attends, pose poser question. Non, mais c'est ça que comment qui explique Anibon? La pose question claire, ça on veut dire. Toute écriture est inspirée au commencement de la parole. Ok, toute écriture est inspirée de Dieu. Là où on lit ça, so, même si on t'a demandé nous comment. Les écritures, c'est la Bible, la parole de Dieu, les écritures, toute écriture. Okay, toute la Bible est inspirée de Dieu. Et ça veut dire toute écriture, oui. Mais écriture, oui. 66 livres. Il va parler d'écriture ordinaire. 66 livres bénis. Oh, so écriture, tout ça qu'il a. Inspiré, tout n'est inspiré. Il y aurait ça, inspiration plénière verbale de la Bible. Eh bien, on a parlé de critères de base qui confirment que la Bible que nous gagnons maintenant. So, si nous utilisons le verset ça, nous avons gardé la petite de question, est-ce que nous enseignons nous? Est-ce que nous convaincons nous? Est-ce que nous corrigeons nous? Tout ça, ces réponses, ça sort à parler nous. Yes. Donc, on a assez ou connaît, est-ce que ça, est-ce qu'il fait de la caillou? Est-ce que l'écriture enseigne? Est-ce que l'écriture corrige ou? Parce que l'écriture assez convaincu que ça m'a fait apparemment convaincre, conviction. Christ est Dieu. Conviction pour que Christ a sauvé, conviction de sainteté, convaincre, enseigner, et puis corriger. Et buant, c'est pour me parfait, c'est pour me droit, pour me utile à toute bonne œuvre qui t'est créée d'avance avant que tu t'aies faite en Jésus-Christ. C'est... Ok? Pas de question encore? Pourquoi tu dis que tu as dit devant mon café plus rapide? On nous demande une dernière question. Prends le microphone là pour parler. Oui, parce que si on parle, c'est une question qui m'était moins un petit peu confuse. Et il te posé Jésus question à propos des miracles. Il te dit ok, Jonas s'est passé 3 jours, 3 nuits. Et même tout, il est passé 3 jours, 3 nuits. Mais là, il a fait vendredi saint. Il a vendredi, samedi, il est récité dans dimanche. Est-ce que il a passé 3 jours, 3 nuits? On va bien la question là, non? On va faire un bas sauté là, soeur. Oui. Ou belle question, mais on va répondre à ça. Parce que, ouais, grand pile interprétation sur question Jonas, 3 jours, 3 nuits, Jésus-Christ, 3 jours, 3 nuits. En interprétation, il y a des interprétations de calendrier juif, etc. Depuis le jour a tombé, il y a considéré comme un jour ou nuit. Il y a Jésus-Christ était enterré depuis jeudi saint. Pas qu'il y a débat. Please, on quitte le débat ça. Il faut nous finir. Même nous, il y a un paquet de spéculations, il y a un paquet d'interprétations. Pour me savoir parler identifier, tout le monde d'accord, Jonas fait 3 jours, 3 nuits. Ouais? Nous-mêmes, nous disons 3 jours, 3 nuits, c'est matin, jour, et puis nuit. Là. Okay, nous disons un jour, une nuit égale à 24 heures. Ça nous comprend? Mais. Bien des qui va dire ok pour prouver que Christ fait 3 jours, 3 nuits en bataille, on va dire depuis jeudi c'est Jésus mort. Bon, moi nous pas dit ça. Et qu'on y a, on va dire ça plus qu'on va frapper avec question sabbat parce que sabbat est presque tombé, l'elle mourir. Donc n'ego courialement des autorités au corps Jésus et ça fait Jésus pas l'enterrer. Avec toute senti suesse, avec vieux sang, senti craché, les baguettes embaumées, parce que la couille avait, c'est quelques heures, sabbat, pour commencer. Donc, Kounia nous a dit, si sabbat, qui l'a nous pensé sabbat normal commencer? On le dit, on le dit. Kounia, Gene qui va contre-carrer ça. Et on va dire ça, Gene sabbat qu'on commence jeudi. Et son bagage, souvent, on donne. Position ça a blégué raison, l'autre là blégué raison. Même que bagaille dans la Bible, nous seulement cruel par la foi. Golote qui campé des positions ça, on dit ça, nous même prions ça depuis le jour seulement. OK, même là il te fait dimanche matin à l'aube, depuis le grand temps ouais, jour dimanche là, et me lisez you jour you nuit. Okay? C'est plusieurs interprétations, dans plus spéculation, c'est comme si on sentit par un monde qui a monopole vérité. Donc, dans ce sens, ça, on va comprendre ça. C'est bon, si je suis 40 pour dire, c'est moi qui ai raison. Et question 3 jours, 3 minutes, ça, t'as semblé, qui t'a raison, qui t'a paraît plus logique, c'est les teneurs de ce mouvement qui dit que Jésus enterré, je dis c'est. Il y
Yo t'a dit que et depuis le mercredi arrêté le jugement fait le mercredi après-midi mercredi soir jeudi matin le prend bateau etc et puis jeudi soir le suspendre puis qu'on a même monde ça dit comme ça Léo dit la fin sabbat et bien jeudi soir t'es comme sabbat OK il y a plusieurs interprétations il y a plusieurs courants de pensée donc bah ça il y a pile théologie qui écrit pas quelle discussion sur question 3 jours 3 nuits ça parce que soit regarder réellement où est qui mourit quand on bat vendredi. OK, d'accord, on va dire ça. D'accord, il va un jour une nuit. Ah oui. D'accord, samedi, il va un jour une nuit. Mais pour dimanche, beaucoup de nuit là. Eh bien, à chercher lui. OK. On va camper là, on va voir ça. Et vous va être clair, on attend nous jeudi si Dieu le veut, nous allons voir la doctrine de Dieu. Nous allons parler de bon Dieu. Bon Dieu, ça qui m'a empilé le problème. Bon Dieu, ça qui m'a empilé l'engagement de côté le sorti. Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il est là? Est-ce que c'est vrai? Nous allons voir bon Dieu. Nous allons étudier Dieu dans un petit calme et connaissance que le Saint-Esprit a banné. Nous allons aider. D'ailleurs, il y a un pas étudier mon Dieu. Parce que ça, on est bon Dieu. Ça, bon Dieu, il faut le connaître. Le connaître. Et si ça nous compte de mon Dieu, il n'y a pas rien, non? Devant les finies grandeurs de Dieu. On doit apprendre dit Dieu est tellement grand, sa grandeur nous échappe. Donc, si ça, la Bible dit de mon Dieu, c'est un petit yota. Mais si nous vivons, nous avons tout ça. Nous avons la grandeur, la splendeur, la largeur, nous avons la dimension. Nous allons comprendre qui est mon Dieu. Ça. Nous allons chanter pour nous terminer. Et pendant que vous-même, vous allez avancer à l'offrande, vous allez faire l'offrande à la gloire de Dieu, vous-même qui avez une promesse pour vous faire $40 pour vous. Et nous allons attaquer le jour ça là, vous capable de faire ça à la gloire de Dieu. Et vous-même, bon Dieu béni, selon ça, sous cœur, vous capable de faire ça à la gloire de Dieu. Et moi, je dis que tout le monde net te comprend. Est-ce que tout le monde comprend tout ça qui est là? Hein? Est-ce que tout élève comprend ça là? Hein? Désormais, on ne peut pas gagner caille, on ne peut pas plume, on ne peut pas rentrer dans la classe là. Tout ça. Quel que soit le monde. Et si ce n'est pas un pas acheter caille à plume pour vous, c'est pour venir avec parents pour le dire ça. Nous allons chanter la gloire de Dieu. Et Jésus, du fardeau de la loi, par toi, mon âme est libérée. Et avant ça, qu'offrande tout le monde avant ça, qu'offrande nous, pendant que je suis à camper avec basket là. Mais avant ça, offrande nous, qui choye, ou même qui la caille, on va le voir offrande nous, à la gloire de Dieu, on va le voir offrande nous, pendant que les médias mettent information sur ce que nous avons, ou même qui la caille, on va le voir offrande nous, à la gloire du Seigneur, on va l'investir, ou 20, ou 30, ou 40, ou 50 ans, selon que le Seigneur met sous cœur, ou $10, ou $100, ou $1,000, selon que ça, mon Dieu, met sous cœur, vous bail. Fais ça avec joie, ou même qui te fait promesse, on va $40 pour supporter, ça va bail $20 pour supporter, et supporter mon leur $40 pour payer, pour payer. Et mon là, tout ce qu'a fait faire à la gloire de Dieu. On nous fait ça rapide avant ça qu'on fasse nous. Jésus du fardeau de la loi, par toi mon âme est libérée. Pour toujours est quel que soit contre nous, sous pas de cash, sous pas de réserve. Fais de l'église là, fais ça avec joie. En avant, même la Facebook, ou même la YouTube, là, investis à mon Dieu. Dis que Jésus me donne et son amour de la mort ouvrira la porte. Libra, libra, au calme. Papa, salut, on nous campe, non? Continuez, moi, au fond, même qui la caille, quel que soit votre vie, investis à mon Dieu.
Allez, quatre, va qui chante. Va qui chante pour la main de Dieu. Tu m'aimes, je suis sans la femme, en sa vie de. Quel que soit quand on est investi à mon Dieu. Mon Dieu bénit nous Facebook, mon Dieu bénit nous YouTube. Vaille avec toi, vaille pour la gloire de Dieu. Vaille pour la gloire de Dieu. Ah, libra, regarde. Oh, calme. Libre, pas calme. Calme, au calme, 50 dollars pour voir que tu es là. Supporte, voyez, dis-vous. Supporte, comme il dit pour ce maintenant. Vai te voar, vai joar. Livre. 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 Amém, amém, amém. Sá. Deve ver sua conta. E continue roiocando. Continue investigando. Vem que lá caiu. E dá peniação. Vai, vai joar. Ah. C'est décidé pour finir là. C'est décidé pour finir la mer. C'est décidé. Levez-moi, dis ça. C'est décidé. C'est décidé. C'est décidé. N'importe quand ça y est. Ah, continue à investir dans ce rêve. Ah, de bonnes chances, ça y est, les filles. Amen, amen, amen. Quel que soit quand on est, continue à investir. Ah, sans vous, vous croyez. Alléluia. Ah, 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 malgré les problèmes, yo. Oh, ah, malgré de l'eau dans le ciel. Malgré de l'eau. Continue à investir à mon Dieu. Continue à voyer, voyez au fond. Oui, tu veux pas. Ah, de bonnes chances, ça y est vrai. Alléluia, par la Jésus. Le fils. Fais quand tu sais, soya. Ah, de bonnes chances, ça y est. De bonnes chances, ça y est. Décidé vrai, c'est un décidé moi. Voilà, je suis. Ah, c'est un oui d'accord. C'est un oui d'accord. C'est un oui. Jésus. Ah, malgré Jean Salieux. Levez-moi la bouille. Frappez-moi la bouille. Frappez-moi la bouille. Selon son sauté là. Seigneur, décide depuis le monde. Seigneur des Seigneurs, Dieu fort et grand, Dieu capable. En nous prions ensemble, tout le monde frappe bien. Si vous avez un marché dans la salle là. Si vous avez un marché dans la salle là. Dis Seigneur, assois-moi le fil dans le monde. 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 Seigneur des Seigneurs, amen.
ou c'est mon Dieu fidèle, ou c'est mon Dieu capable, c'est un plus finement, pour arracher nos arrêtes, mes peuples là devant, Dieu Facebook là, même YouTube là, amen, amen, pour arracher si, déclare ça, déclare ça, déclare ça, déclare ça, pour arracher si, pour arracher là, amen, la caille nous Seigneur, aidez pour pas finir Seigneur Dieu, alléluia, aidez pour la chair, la prière, pour les hommes Seigneur Dieu de ce monde, Seigneur Dieu pour finir avec nous Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, la prière, Seigneur Dieu de répéter la parole, pour les marcher Seigneur Dieu, alléluia, pour suivre Jésus, la prière Seigneur Dieu de nous décider, nous prendre décision pour finir nos mains, malgré Jean Saïe, malgré Jean le monde environné nous Seigneur, malgré Jean Elmi environné nous Seigneur, malgré plaisir monde ça Seigneur, nous voulons finir la caille ou Seigneur, nous voulons rester dans présence ou Seigneur, nous voulons rester dans présence ou Seigneur, assoyez à jeune nous voulons rester Seigneur, assoyez à grand monde nous voulons rester Seigneur, assoyez à Seigneur Dieu attiré dans parole là, alléluia attiré de la caille ou Seigneur, pas quitter rien dans monde ça prend nous Seigneur, pas quitter rien dans monde ça Seigneur Dieu, alléluia prend lumière l'évangile en dedans nous Seigneur, aidez Seigneur Dieu pour prier Seigneur, aidez pour parole là prier Seigneur, quel que soit côté nous vailler à Seigneur, que flambeau va prier Seigneur, aidez Seigneur protéger nous Seigneur, protéger pensée nous Seigneur, protéger yeux nous Seigneur, aidez pas garder bagaille Seigneur Dieu qui a affecté la foi nous Seigneur, aidez pas aller côté Seigneur, elle mis à bien pied sous nous Seigneur, aidez Seigneur Dieu pour la protéger Seigneur, la parole Seigneur, aidez à protéger ça ou même Seigneur, ou déposer en dedans nous Seigneur, ça ou même ou mettez en dedans nous Seigneur, aidez la faire chair, aidez la grandir Seigneur, c'est pour parole là va nous penser nous, c'est pour parole là va dans cœur nous Seigneur, c'est pour parole là va dans bouche nous Seigneur, alléluia faute vague, alléluia engouement pour lui même, aidez à grandir Seigneur, pas quitter seulement Seigneur Dieu, alléluia à parler de parole là, et bien alléluia et que pas parole là pas en dedans nous Seigneur, non seulement nous voulons parler mais parole là c'est pour l'habiter en dedans nous, c'est pour parole là en dans la vie nous, c'est pour nous vivre parole mon Dieu, c'est pour nous vivre parole mon Dieu, alléluia, alléluia, dans mon temps prie, fais nous grâce à Assoya, fais l'église sa grâce à Assoya, fais nous grâce à Assoya, pas seulement chanter, pas seulement jouer, pas seulement parler, mais parole là c'est pour l'entendre nous, c'est pour l'habiter en dans nous, c'est pour l'habiter en dans nous, habiter en dans nous Assoya Seigneur, dans mon grâce à Seigneur, habitez dans la vie nous Seigneur, habitez dans le foyer nous Seigneur, habitez dans le travail là, c'est pour parole là va suivre nous Seigneur, tout côté de vailler, c'est pour parole là va là, tout côté de vailler, c'est pour parole là va mener nous, alléluia, c'est pour nous va confier dans parole là, que parole là va guider nous, que parole là va boussole nous, alléluia, c'est pour parole là, alléluia, lui va jaillit en dedans nous, alléluia, c'est pour toute l'église là Seigneur, et on va reconnaître sans la parole de Dieu, pas qu'il y a rien qu'à faire Seigneur, sans la parole de Dieu, nous pas qu'à réussir, sans la parole de Dieu, nous pas qu'à faire elle-même. Alléluia, même Jean Jésus t'a jeûné en un désert. Elle m'a utilisé la parole pour lui attaquer Jésus. Nous reconnaître Seigneur. La parole, elle m'a tweaké lui, Seigneur. Si nous pas contre vérité, elle m'a mené nous dans le trouble, Seigneur. Amando à soi, et de va joindre vérité. Et de lumière, l'évangile va briller dans la vie, nous, Seigneur. Afin que elle m'a va venir pour l'attaquer, nous, Seigneur. Nous va camper sous la parole qui est la vérité, Seigneur. Alléluia. Dans mon temps, prie, ouvre les yeux, nous, Seigneur. Ouvre les yeux, nous, Seigneur. Par nos connaissances, par nos intelligences, par nos compréhensions, Seigneur Dieu. Pour nous mener bataille, ça. Parce que vous dites, peuple, mourir. Faute de connaissances. Dans mon temps, prie, Seigneur. Aidez-moi à arrêter dans la parole. Aidez-moi à chuter dans la parole. Aidez-moi à grand goût. Aidez-moi
va ruminer la parole avec que nous va porter fruit. Nous va porter fruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, pas de la parole. Pas de la parole qui c'est boussole chrétien. Pas de la parole qui c'est épée chrétien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Alléluia, merci pour la parole. Merci pour la parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Béni soit l'Éternel. David dit, quand je crie, loué soit l'Éternel, délivre à tout ennemi mieux. À soi, je vais pousser Christ à l'objectif pour me délivrer à tout ennemi mieux. On ne peut pas dire, je ne sais pas. Concentré, wap min business, on va dire loué soit l'Éternel. Et depuis, non, ça a cité tout ennemi chita. Tout ennemi qui te campé tombé. On dit loué soit l'Éternel. Et puis, on dit loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Amen. Loué soit l'Éternel. Même si la carrière de carrière de carrière ça, loué soit l'Éternel, loué soit l'Éternel, loué soit l'Éternel, c'est pour mieux tomber, loué soit l'Éternel, loué soit l'Éternel, loué soit l'Éternel, quel que soit l'ennemi, c'est pour tomber, déclarer ça, déclarer ça, quel que soit l'ennemi, quel que soit l'ennemi, amen, c'est pour tomber à soi, alléluia, c'est pour tomber à soi, quel que soit Baka, Yabrasia, l'ennemi visible, amen, l'ennemi invisible, c'est pour tomber à soi, 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 nous regardons les gagnants, tomber Baka, tomber Yabrasia, tomber, verset qu'il est, oui, ça l'est. Tombe. Alléluia. Alléluia. Tombe. Alléluia. Amen. C'est qu'elle a cassé. C'est qu'elle a cassé. C'est qu'elle a cassé. Alléluia. Alléluia. C'est qu'elle a cassé. Victoire là. Victoire là. Victoire là. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. 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 Qui te rassemblé pour finir avec la vie noire, nous crier loué soit l'Éternel, c'est pour être l'Éternel, démantibiler tout ennemi, c'est pour être de l'Éternel, finir avec tout ennemi, invisible, visible, quel que soit côté au caché, quel que soit côté au yéa, nous déléguer, nous crier un cri de victoire, loué soit l'Éternel, et alléluia, c'est pour l'épée de l'Éternel. Franchis tout ennemi, casser toute corde, péter toute chaîne, toute maladie qui t'a sauté pour finir avec quoi soyez. Nous crions loué, soit l'Éternel, c'est pour maladie voler, c'est pour maladie voler, gaguer, c'est pour tout ce qui est écrasé, c'est pour tout ce qui est écrasé, tout complot, elle m'a fait sauter pour le finir avec la vie. Alléluia, pardon à crier, loué soit l'Éternel, c'est pour l'ange de l'Éternel, campe autour de ceux qui le craignent, l'ange de l'Éternel campé à soi, c'est pour le défendre, toute jeune garçon, défendre, toute jeune fille, défendre, toute madame mariée, défendre, toute monsieur marié, c'est pour le défendre l'église là, et les loués soient l'Éternel.
Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Frappez mon titre, dégâts. C'est pour l'ange de l'Éternel qui campe. Séparation. C'est pour tout côté à citer dans nous mal. C'est pour confusion tomber. Au nom de Jésus. C'est pour une séparation l'autre. C'est pour une manger l'autre. Au nom de Jésus. C'est pour une diviser l'autre. Au nom de Jésus. C'est pour une accuser l'autre. Au nom de Jésus. C'est pour une avilir l'autre. Au nom de Jésus. C'est pour une déchirer l'autre. Au nom de Jésus. Mais dit division qu'a ennemi. Division dans complot. Division. Rappelez mon dit division. Division. Amen. Quel que soit côté ennemi a réuni. Alléluia. Il y a réuni en parlant mais. Kounia là, c'est pour une lever contre l'autre. C'est pour une lever contre l'autre. C'est pour une railler l'autre. C'est pour une déléguer l'autre. Alléluia, c'est pour une râler lever contre l'autre. Nous déclarer division. C'est pour une paca. Alléluia. Yon paca fait ça au début de faire. C'est pour l'alléluia confusion. C'est pour une bataille. C'est pour une envahir l'autre. C'est pour une alléluia. Courir derrière l'autre. C'est pour une râler l'épée contre l'autre. C'est pour une manger l'autre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute alliance qu'a faite contre moi. Divisez la soeur. Divisez la soeur. Toute alliance. Toute alliance. Toute réunion. Toute réunion. Toute planification. Toute planification. Tout ennemi vient bien. Tout ennemi vient bien. Pour détruire. Pour détruire. Confusion. Confusion. Frappez-moi en confusion, confusion. Confusion, confusion. Confusion, confusion. Alléluia. Confusion, confusion. Tout. Alléluia. Levez-le en l'air. En petit peu, c'est ça pour aller. Qu'il soit. Emporté, qu'il soit emporté et que l'ange l'ait, que les routes et qu'il soit frappé pour déclarer ça, qu'il soit comme la balle. Qu'il soit comme la balle emportée par le vent et que l'ange l'Éternel les chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange l'Éternel les poursuive. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange l'Éternel les chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange l'Éternel les poursuive. C'est pour tout d'être qu'on parle qui perd une direction. Alléluia. C'est pour l'Éternel shooter toute bagarre qui campe contre la vie. C'est pour l'Éternel shooter toute mauvais esprit qui campe contre famille. C'est pour l'Éternel shooter. C'est pour sans direction.
sa direction. C'est pour trouver l'éternel en faillio. C'est pour pas contre ça pour y faire. C'est pour l'ange de l'éternel courir derrière yo. Courir derrière l'ange. C'est pour l'ange bon Dieu. Poursuivre yo. Jusqu'à l'enfant la bima. Poursuivre Bakayo. Poursuivre Elmi. Quel que soit Elmi qui sautille. Alléluia pour ennuyer. Pour ennuyer vie spirituelle. L'ange l'éternel. Poursuivre yo. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. On va commenter la soirée. On va acclamer Seigneur. Demain soir, il y a une classe d'affiliation. Samedi matin, on attend tout le monde dans le jeûne de 9h à midi. Dimanche matin, on a deux services. Et pas oublier mardi soir, on a passé l'autre nous. Nous avons 5 mardis de guérison divine. Et Seigneur commence à agir à la gloire de Dieu. Donc, on a réuni avec tout ton cher l'an dernier, dimanche du mois de juin. À la gloire de Dieu, pas oublier, nous avons 3 semaines de réveil. Et nous allons faire là, 3 semaines de réveil, 14 août pour 4 septembre. Prends ça à cœur pour ne pas rater l'occasion. Nous avons un pile guest qui a sorti bien loin. Nous avons un pasteur Clonius qui a sorti au Canada, ou puissant prédicateur qui n'a pas connu. Nous avons un pasteur Caleb qui a habitué avec lui, qui a sorti au Canada. Nous avons un pasteur Mallory qui a sorti au Brooklyn. Nous avons pasteur Carlos Prier Midi qui a sorti en Floride. Nous avons pasteur Rémi Locha qui a sorti à Haïti à la gloire de Dieu. Et bien l'autre toujours. Donc, c'est un bagage sérieux qui a pris le jour ça là. Donc, 3 semaines de ça, prend la queue. Et nous avons pasteur Locha dans l'adoration avec nous. Et nous avons pasteur Yvon Yelon. Nous avons pile en pile, bras, en pile ouvrier qui a déplacé pour nous dire bon Dieu merci avec nous pour 6 ans ça. Et nous sommes pas d'accord que 6 ans ça, bon Dieu fait un grand bagage. Si salvé, je suis encore vivant, c'est grâce à mon Dieu. Et pas faute ennemi. Ennemi a fait toute sale qu'on est pour le cas d'assemblée. Mais au lieu de le craser, nous vînons plus de jambes au nom de Jésus. Amen. Et nous vivons bénir à la gloire du Seigneur. Et si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure. Allez en paix au nom de Jésus. Mon Dieu bénit. Mon Dieu bénit nos Facebook, mon Dieu bénit nos YouTube, à la gloire de Dieu. Et monsieur, bon